Et plop les gens, on se retrouve dans Patrick's Parabox. J'ai refait les trois niveaux, non le même, juste les deux premiers niveaux, j'ai oublié de faire le troisième. Mais pour bien essayer de comprendre comment ça marchait la duplication. La duplication, ça a besoin de bloquer le swap, ils appellent ça. Différence, là, c'est échanger. Ça a besoin de bloquer l'un dans l'autre contre un pilier, puis l'autre dans l'un, encore sur un pilier. Et après, de pouvoir sortir les deux. Tout cela, j'ai du mal à voir. Donc, on va au centre, center. Anecdote. D'ailleurs, on a deux niveaux pour la suite. Apparemment, anecdote, c'est ce niveau-là. En ayant une clé du jeu, le développeur nous a demandé de ne pas aller plus loin que ce niveau-là pour expliquer le jeu au moment où on... dire. De ne pas montrer plus loin que les mécaniques de ce niveau si on voulait montrer le jeu avant sa sortie. Alors moi j'ai reçu le jeu après la sortie, donc bon, il n'y aura aucun souci. Est-ce que je vous montre le prochain niveau? Ça va pas. Ah si. Le monde s'appelle Center, c'est pas pour rien. Hop. Hop là. Hop. Les flèches plutôt que le joystick, je ferais moins de bêtises. On va là. La mécanique est plutôt très simple pour le moment. J'ai oublié le niveau bonus. Faut juste pas oublier que le monde s'appelle Center, ok. Perdu. Faire dans l'autre sens si vous préférez. Si je bouge pas, je peux plus bouger lui.
Comment je peux décaler? Le centre est ici, hein. Oui. Comment je peux le décaler? Je peux pas le faire rentrer. Enfin, je peux pas les faire rentrer. Et orange. On va les décaler du mur. À la base. Je pouvais. Si je faisais ça, ça faisait rentrer le orange. J'aurais pu l'emmener là et après faire ça pour le poulet par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Non bah. Loin. C'est lui, théoriquement il est un peu plus simple. Ceci est un feu de signalisation. Et plus simple. Elle est là pour rentrer. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je rentre en haut. Hop, là, tout ce qui m'intéresse, c'est de rentrer. Et puis, je peux sortir par ici. Ah. Ok, et là non plus. Bien. Et là, il fallait juste y aller. On a débloqué la suite. C'est ça. De ce côté-là, c'était un peu plus évident. Faire les niveaux bleus chelou. Alors, P, c'est Patrick. Je peux rentrer là, je peux rentrer par en haut. Ce que je veux, c'est pousser là, revenir ici et pousser le bloc là, je pense. Alors, on est dans le 3. Dans le 3, on peut aller au 1. Allez, écoute, 2. Hmm.
m'a fait partir du 3 jusqu'au 1. Enfin, jusqu'au 2. Voilà. Le shoot d'essayer de se représenter ce que ça veut dire que réellement faire le niveau cela. J'ai compris. Faire rentrer un par un. Ils en essayant d'aller vite. Hop, là, va pousser et je vais là. Ici. Ici pour le décaler, hop. Non. Voilà. C'est plus à ce genre de difficulté que ce jeu m'avait habitué. C'est le même genre. Et là...
J'ai demandé ce qui m'empêchait de faire deux fois l'aller-retour. Simplement le fait que je ne peux pas décoller le VR d'ici. Ou alors. Hop. Et ça rentre dans le verre, oui. Comment fait-on? Ce que je veux, j'ai peut-être pas dit, c'est avoir le orange comme ça dans le jaune. Sauf que si je m'enfonce comme ça mais sur la partie grise, je pourrais jamais les sortir l'un de l'autre. Si je fais la même mais sur le dans le vert, je pourrais jamais les comme ça. Comme ça, une fois que le jaune sera bien placé, je pourrais mettre. Que le jaune sera donc bien placé ici. Non, ça marche pas en plus. C'est-à-dire, je peux le repousser. Mais ça marche pas non plus. Une fois que le jaune est là, je peux pas ressortir par en bas du jaune, faut sortir par en haut. Le vert est là et que j'ai le jaune et le orange, sortir l'un, sortir, je peux avoir les deux et sortir tous les deux, hop, comme ça, et les deux qui sont sortis, le vert est là, moi je suis là, les deux sont à la queue le. J'ai plus qu'à aller là. Thank you.
je me suis cassé la tête pour pas grand chose. C'est moi qui devais passer là-dedans et pas le cube. On va peut-être prendre quelques minutes encore pour vérifier celui-là. J'ai fait 2/3. Comment est-ce que on peut faire là si je le sors, pareil pour en bas, hein, si je le sors il est coincé dans le coin. Pas sortir et je peux rien faire. Là lui pareil, il est sorti, mais maintenant. Comme ça pour faire. Le verre est bien bloqué, je peux pas bouger le verre dans lui-même. Attendez, non. Si je bouge ça là, vers ça, lui il est centré. Maintenant lui, je le ressens comme ce que je viens de faire juste avant. Et voilà. Voilà. Et bah lui est fini, 100%. Donc voilà, si vous voulez pas vous spoiler du jeu, le développeur a dit de pas montrer plus loin que ce monde-là, centre. Donc voilà, moi j'en ai pas vu plus, évidemment. Je vous propose de m'aider pour ces puzzles et de vous arrêter là si vous voulez pas en voir plus, bien évidemment, et que vous voulez pas trop vous spoiler le jeu. Conseil du développeur, hein, moi je m'en fous, je connais pas beaucoup les niveaux. Et quant à ceux qui veulent y réfléchir mais qui ont un peu peur de prendre le jeu, on va se retrouver au niveau suivant. Oui, on peut mettre une grille. On va se retrouver au niveau suivant. Alors non, je vais pas tout montrer, je vais pas tout. Je sais pas. Peut-être. J'avais lu qu'il y avait genre 350 puzzles.
crois qu'on en était à 66 après les niveaux d'avant. On avait fait référence 66, 76, 68, 69, 70, 71, 4, 5, 6, hop là, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 71 plus 16, ça fait 96, non? 97. 97 sur 350. On en a vu quelques-uns. Un petit tiers, on va dire. À peu près. Donc voilà. Vous savez à peu près à quoi vous attendre si vous voulez respecter les conseils du développeur, mais quand même acheter le jeu. Pour les autres, on se retrouve très vite pour l'un de ces deux mondes, vert clair ou vert foncé. Bon, allez, regarde vite fait. Là, c'est clone. Et je sors de droite, d'accord. Je rentre là, je sors à droite. Donc, c'est deux fois le même monde. ça annonce du clonage pour les niveaux suivants, ça va être compliqué. Voilà une mécanique qu'il fallait pas montrer aux autres, mais pour les autres, on va découvrir le clonage à l'infini dans le prochain épisode. À bientôt.